Salut le monde est doux, c'est Chiranui. Ça y est, c'est décembre, c'est bientôt les fêtes de Noël. Mais les chouchous nous ont privés de calendrier de l'Avent cette année qui nous aurait permis d'avoir des costumes fantastiques comme celui du Joris festif. Bon, ok, c'est peut-être pas le plus beau. Il est donc en notre devoir, à nous, citoyens du Crosmos, de raviver l'esprit des fêtes et de préparer des cadeaux à offrir pour nos chers Ouzien chéris. Comment ça, vous savez pas quoi offrir comme cadeau? Pas de panique, car aujourd'hui, la mère Chira Noël va vous donner des idées cadeaux pour les fêtes à faire à vos êtres chéris fans du Crosmos et des mémos Dofus, mais surtout Wakfu. Quand on ne sait pas trop quoi offrir, la solution de facilité, c'est les cartes cadeaux. Personnellement, je trouve ça très impersonnel cette idée, car c'est juste un coup à montrer que vous connaissez pas tant que ça les goûts de votre comparse. Mais si vous n'êtes pas regardant à ce genre de jugement de valeur, l'équivalent de la carte cadeau pour Dofus et Wakfu, c'est les cartes prépayées de Green. Trouvable dans des magasins multimédia ou directement sur l'Ankama Shop, cette carte permet de créditer d'un montant d'Ogreen pour acheter des biens et des services sur les jeux Ankama tels que Dofus, Wakfu, et non pas Crossmaga, désolé, mais en même temps, qui joue à Crossmaga? Donc en soi, oui, c'est très impersonnel, mais ça reste une bonne solution pour faire plaisir avec des cosmétiques stylés ou de temps de booster pack en jeu. Wakfu, c'est un Meporg. Et qui dit Les Meporg. Dit potentiellement du farming. Et à moins d'avoir un siège ultra pro qui vous garantit un positionnement dès lombaire à 70 degrés en parallélépipède triangle RGB avec des touches anti-ghosting pour le gaming. Vous savez les douleurs que ça peut engendrer de rester assis devant son ordi pendant un laps de temps très considérable. Alors non, je vous dis pas d'offrir direct une chaise de bureau pour le gaming si vous n'avez pas les moyens, mais au moins pour le confort du dos, offrez un coussin quoi. Que ce soit du AliExpress avec des motifs de toutes sortes ou un autre magasin de déco d'intérieur style Maison du Monde, il y a toujours moyen de trouver le coussin qui plairait à votre douzien favori. Si vous suivez les infos, vous savez qu'il fait froid. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous n'avez pas besoin des infos pour savoir ça? Enfin bref, grelotter pendant qu'on fait le donjon à Gengla, c'est pas la joie. Alors offrez de quoi se réchauffer à nos chers aventuriers. D'ailleurs, cette année, sur l'Ankama Shop, vous pourrez trouver des pulls et des écharpes moches. Mais moches dans la pure tradition des fêtes de Noël. Tout ça à l'effigie de Bonta et Brakmar. Par contre, je vous conseille de bien choisir votre camp en termes de pulls si vous voulez pas créer un accident diplomatique entre deux plats d'huîtres et deux dragots d'Inde rôtis au repas de famille. Après, les pulls moches, c'est pas très féminin. Et si, comme moi, vous déplorez cela, je peux vous conseiller de prendre un poncho en fourrure, qu'il soit en fourrure de Blairox ou de Vandaliéné, il vous assurera un confort de mouvement et la garantie de vous tenir chaud. De plus, vous aurez le flow d'une chasseresse des plus tendances pour aller chasser les archimonstres dans la nature, et ça, c'est classe. L'avantage avec Ankama, c'est qu'ils sont pointus avec ce qui touche à leur univers, et de ce fait, ils apportent un soin tout particulier aux goodies qu'ils produisent, et c'est pas plus mal. Pour une fois qu'on a des goodies qu'on n'aurait pas envie de cacher dans sa cave de honte, lors de notre contact avec une vie extraterrestre venant sur notre planète pour juger si nous sommes aptes à rejoindre la Confédération Galactique. Parmi les goodies sympas que l'on peut trouver dans l'Ankama Shop, on a ce magnifique artbook des 15 ans du Crosmos, l'occasion de voir le savoir-faire créatif du studio et d'en prendre plein les mirettes dans un canapé avec un chocolat chaud au coin du feu. Si vous cherchez un objet d'exception à offrir à l'élu de votre cœur ou à votre douzième favorite, Ankama a eu récemment un partenariat avec Swarovski pour créer de magnifiques pendentifs en cristal en forme de Dofus émeraude. Un bijou qui a un charme fou. Et j'avoue, j'aurais bien aimé qu'on me l'offre à moi aussi, mais j'ai pas de copain de façon. Un cadeau d'exception qui n'est certes pas un vrai Dofus, mais qui montrera même au plus radin des Zénithrophes à quel point la personne à qui vous l'offrez vaut plus qu'un œuf de dragon pour vous. D'ailleurs, le bijou va bientôt revenir en boutique avec tous les coloris de Dofus Primordo disponibles. Dans le cadre du sentimental, vous avez aussi cette tirelire Ekaflip, inspirée des célèbres Manekineko. Ces fameuses figurines de chats du folklore japonais qui apportent la richesse, la sagesse, la chance et l'amour. Alors si vous offrez ce Manekineko à votre entourage, c'est bien plus qu'une tirelire que vous offrez, c'est du bonheur. Si vous voulez partager avec votre famille l'univers de Dofus et Wakfu autour d'une table, Ankama est aussi spécialisé dans les jeux de société. Une bonne occasion de se réunir pour partager un moment autour d'une partie de Crossmaster Blast. Si vous êtes familiarisé avec les jeux Crossmaster, sachez que la version Blast offre une expérience de jeu beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à prendre en main pour les nouveaux joueurs. Une expérience de jeu beaucoup plus accessible qui permet de faire jouer les plus petits comme les plus grands, sans chichi ni blabla, que des moments de fun et de communion en famille ou entre amis.
Wakfu, ce n'est pas qu'un jeu fantastique ou une série aux petits oignons. Et oui, les plus vieux s'en souviendront peut-être, mais il fut un temps où un jeu de cartes à jouer et à collectionner Wakfu existait au début des années 2010. Malheureusement, le jeu de cartes a été stoppé car pas assez rentable pour l'entreprise. Si votre entourage est ce genre de fan précis de Wakfu, sans doute collectionnait-il ces fameuses cartes, qui malheureusement voient sa collection incomplète. Même s'il est toujours possible d'en trouver en brocante si vous avez de la chance, essayez de chercher votre bonheur sur les sites spécialisés de trading card game comme OTK Expert, où vous pourrez sans doute trouver les cartes qui manquent à votre collection. Certes, le prix peut paraître élevé, mais comme le jeu de cartes n'est plus en production, il s'agit là carrément d'un objet de collection. Un petit bout de carton imprimé pour vous, mais sans doute un fragment de nostalgie pour les anciens possesseurs de ce jeu de cartes. Et c'est sur ce petit PTSD que se conclut la vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez pas à partager la vidéo en images subliminales pour inciter les gens à vous offrir des cadeaux. Mais attention, seulement si vous avez été sage cette année. Vous avez aussi tous les réseaux en description et sur ce, joyeux Noël à tous !